c'est Gragastop ou pas? En vrai, Gragastop Ignite, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf Ignite contre Gragastop, hein. Je pense que je vais prendre quand même. Parce que je pense qu'on est pas un elo où ça peut me punir. Par contre, j'en pleure de mes gains, frère. Je fais du plus 28, plus 29. Est-ce que je fais D-Blade? En vrai, D-Blade, si je joue bien, elle est bizarre l'ambiance. Non, vas-y, on va pas griffe la game. Déjà, j'ai pris Ignite contre Gragas. Je vais pas griffe la game, je vais prendre des shields. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Joue, frère. Tape le même mec. Il veut pas taper. Non, c'est trop, frère. Pourquoi il veut pas jouer? Mais on gagne. Vas-y, frère, je peux pas faire des moves comme ça, Stelo. Je peux pas faire des moves comme ça. J'aurais juste dû laisser un Mimi mourir. Pourquoi il joue pas? Je jure, les gars, c'est cassé dans le level 1, mais je jure qu'il joue au jeu. Je flash out le E Dragas. Il a juste à tanker. Il a juste à tanker. Je triple kill. Facilement. Je triple kill facilement. Il a juste à auto-lionner. Je focus lionner. C'est leur menace principale. Yone est obligé de flash out. Après, je suis sous stack de conquérant et tout. C'est tellement free win. Il veut pas jouer. Vas-y, ça va. J'ai perdu de l'XP. Mais tu vois, c'est ce que je veux dire. Là, en fait, je commence à être un elo. C'est bizarre. Faut que je joue full selfish. Faut que je joue full selfish. Vas-y, je me mute. Et j'enlève le chat. Cette game, j'aime bien notre combat, Zoé, pour teamfight. On a un Mumu et tout, j'aime bien. Dès que j'ai Hydra, c'est fini la game. Genre, quand j'ai Hydra, c'est déjà bien. Mais quand j'ai Hydra, Mercs et Hullbreaker, c'est vraiment terminé la game. Et ça va, cette game, c'est pas en mode je dois full jouer aggro, quoi. C'est, je suis fine de scale, cette game. Ils ont pas de CC à part Gragas, ils ont rien. On a un Kassadin, un Mumu. Genre, c'est fine. Je suis fine à scale, cette game, quoi. Je suis pas là en mode, putain, il y a une menace en face. Faut que je joue comme un psycho, tu vois. Bon, s'il veut pas mourir, il mourra pas avant Hydra. Après, là, il a pas de TP. Si j'arrive à le bait him fight, c'est excellent. Terminé. Il a fait l'erreur qu'il fallait pas. Mais c'est ce que je veux dire par Fiora, c'est un noob stomper. En Halo, le mec fera pas cette erreur. Parce que là, il a pas de TP. Et quand tu fais ça contre Fiora, là, c'est 4 plates. Là, c'est au moins 3, voire 4 plates. Et je reviens avec Hydra. Bon, bot, il gère pas trop. Mais Kassadin est 5-0. Genre, je suis pas trop inquiet cette game. Franchement, je suis chill. Je pense juste farm mes items. C'est bon cette game. Je gagne les deux sides. Le team fight, je vais pouvoir fumer le team fight. Juste, je fais des bonnes contributions quand il faut. Je farm quand il faut. Et c'est carré la game, tu vois. Là, je peux lui mettre un gros trade. Surtout qu'il y a Kassadin derrière. Il fait pas le tour, mais nah, no cap. C'est lui le viewer. Oh là là, lui, je lui mets les permaban, hein. Je lui mets permaban direct. Il a pas fait le tour. Le pire, c'est que son roam ça change rien. Parce que là, dans tous les cas, Gragas, s'il restait, je le divais. Donc, je prenais quand même la tour. On va dire qu'il y avait des bonnes intentions derrière ce geste. Je vais drop ma vision et je vais recall. C'est une game un peu slow.
Je pense pas que c'est une game, ça va être toute une fiesta, Esclam. Il a déjà plus d'HP. Il doit recall là avec son Kassadin legit. Hein. Il doit legit recall. Bon, le viewer griffe un peu, mais bon, c'est pas grave. On va dire il fait de son mieux. Franchement, ça va. Il a 6 kills, il griffe un peu, je m'en fous. Et lui, il troll, je peux pas l'aider. Cette game, j'aurais pas de grubs. J'ai vu Kha'Zix, il peut venir au mid. Ok, je pensais qu'il allait Q. Il a pas Q, bon, il est mort du coup. Kha'Zix est sur les Void Grubs, mais il y a personne. Là, je chope 2 plates en plus. Là, je suis en train de vraiment de m'enrichir. Je pense que cette game, je m'en bats les couilles de ce qui se passe. Genre, en vrai, Kha'Zix, c'est bien, mais c'est pas en mode il est bien, il va un VS9. J'ai pas de mana, mais je pense pas qu'il me kill. Ouais, il a des sales dames, j'en vais le bâtard. Ok, ça joue, mais il y a Gragas. Putain, j'ai pas mis l'hydra dans le bon sens, sa mère. Je pouvais m'escape là-dessus, j'ai mal joué. Ah, il a eu le shutdown, ça c'est chiant. Ok, là, Kha'Zix, il est vraiment fait avec mon shutdown. Ah, je pouvais m'escape. J'avais plus de mana en fait, mais j'aurais pu m'escape. En fait, l'hydra était pas dans le bon sens, du coup, j'ai pas eu le point vital. J'ai pas eu le schlass dans le point vital. Ok, Kha'Zix est fait, mais c'est fine. Juste, vraiment, faut juste que je farm up. Là, tu vois, ça commence à griffe dans ma game. Le Kassa, il veut pas farm up. Il est fait, il veut pas farm up. Le Draven aussi. La game est pas win. En fait, ça va que être des games comme ça où les mecs, ils sont bien, mais ils vont griffe, tu vois. Là, en vrai, s'ils font rien dans la game, ils farm up, c'est tellement GG. S'ils faisaient ça, ils seraient pas diamant, tu vois ce que je veux dire. Donc, ils vont forcément griffe. Faut juste que je donne pas de plus de kills à Kha'Zix, là. Là, il va y avoir un petit timer où il peut one shot et après, c'est fini. Là, le Kha'Zix pourra plus rien faire, là, contre moi. Il peut garder sa Nedo combien de temps? Le lane assignment est trop bizarre cette game. J'ai mon AD au bot. J'ai eux, ils font des fights et tout. Alors Kamumi est en train de farmer. Je pense que je vais devoir les micromanage là. Je dois micromanage sinon on va perdre cette game. Genre regarde ce qui se passe dans la game, frère. Il passe des trucs trop étranges. Ok, je vais pas prendre les risques. No risque. Là, c'est bien. J'ai pris leur bar HP. No risque. J'ai eu le breaker. Ils vont kill top. Joue slow. Pas besoin de faire des dingues là. Ok, c'est fine. C'est fine. Moi, ma tempo est pas delayed. Là, je suis full life next wave. Eux, c'est de la merde là. Eux, ils sont dans la merde. Un petit hook. Ah, il voulait faire ça. Ah, il m'a pas dit, frère. Je suis mort. Non. Je pensais qu'il voulait juste hook. Oh Zebi. Oh c'est champion frère, je suis amoureux. Ouais j'y suis amoureux. J'ai pas capté, il voulait faire du sale comme ça. Sinon j'aurais follow up tu vois. Je pensais il voulait juste hook le mec. Il y a un mec derrière moi. Je crois que c'est le Yone. C'est qui? C'est Jin. Parce que je vais lui faire. Ce que je vais lui faire, qu'on me pardonne frère. Qu'on me pardonne frère. Qu'on me pardonne mes péchés. Ok, on va reset. On va reset. Fin de game. Meurtre, tueur en série. C'est moi Manachi en fait. C'est moi la Manachi. C'est moi ce vilain tueur en série. Y'a Yone de vivant. Ok, je vais casse mon recall. On va voir si c'est un mec. Parce que moi je suis sous Will Breaker. C'est terminé. Ok, sauf si leur botlane bouge, on est fine. Ok, leur botlane bouge, on va respect. Je vais fight son père. Après là il abuse. Là il respecte pas le down. Ok parfait. On prend une TP. Moi je vous sais cette game. Juste donne pas mon bounty. Pas besoin de faire des dings. Juste donne pas mon bounty. En fait il se chauffe tout seul. C'est bien, je les drague vers moi et tout en boucle là. Tu vois, juste à jouer safe. C'est eux qui vont s'exciter, qui vont faire de la merde. J'ai pas besoin de faire de dingues. Juste à les laisser s'exciter et après je les farm. Là en gros je suis en 20-0. Ça va commencer à me collapse en cooldown. Comme si j'étais le créateur de Microsoft. Faut juste la jouer tranquille. Et c'est free les games. Après la lane je la joue tranquille. Là je prends la T3 je pense. Je prends T3, j'ai Eclipse prochain recall.
Ils ont FF. Faut pas que je m'excite trop dans les games. Tout à l'heure, j'étais trop excité. C'est pour ça que j'ai troll. Il me reste 3 games. Vas-y.